Le premier Français à naviguer les eaux de la future province fut le comte de La Pérouse, mais c'est le commerçant Étienne Marchand qui fut le premier à mettre pied sur terre et à rencontrer les habitants, soit les Haïda des îles Haïda-Gwaï. Alexander Mackenzie, Simon Fraser et David Thompson sont les trois explorateurs anglais qui sont arrivés dans le territoire par voie terrestre. Chacun de leurs voyages successifs ont été rendus possibles grâce à leurs équipages composés de Canadiens français, d'Autochtones et de Métis, tous de langue française. Dès 1805, la Compagnie du Nord-Ouest a ouvert des postes de traite de fourrures partout dans la province. La langue de travail était le français, même si les chefs étaient anglais. On encourageait tous les travailleurs à se marier avec des femmes autochtones, car celles-ci pouvaient assurer la survie même de leur mari et aussi pouvaient assurer la présence de leur famille élargie provenant de plusieurs Premières Nations au poste de traite. Donc sur 60 ans, 60% des 60 000 travailleurs européens dans le territoire étaient en fait des Canadiens français. En 1858, on découvre l'or le long du fleuve Fraser, ce qui déclenche la première ruée vers l'or en Colombie-Britannique. On voit arriver entre 40 000 et 60 000 hommes, surtout des États-Unis, mais de partout au monde. Il y a tellement d'Américains, en fait, que l'Angleterre craint de perdre le territoire à ce pays. Donc, elle déclare la colonie de la Colombie-Britannique. Avec l'épuisement de la ressource, la plupart des orpailleurs retournent chez eux. Cependant, bon nombre décident de s'installer dans le territoire. C'est un vrai élan colonisateur. On voit s'installer les premières villes de la province. Cependant, le climat social change. Bon nombre des familles exogames sont abandonnées par les maris qui reviennent au pays. Les enfants de sang mixte se trouvent mal vus maintenant en raison de leur sang autochtone. Le concept de métis connu au Manitoba n'est pas du tout accepté sur la côte du Pacifique. La plupart de ces enfants donc vont être assimilés dans une société où le fait d'être blanc et d'être anglophone est prioritaire. Les forêts sans fin de la province entraînent l'établissement de l'une des industries principales de la côte en fournissant du bois de taille et des mâts de navire partout au monde. La scierie qui deviendra la Fraser Mills sur le fleuve Fraser est en plein épanouissement et va devenir la plus importante de l'Empire britannique. En même temps, la chute de l'industrie forestière au Québec et en Ontario encourage les dirigeants de la Fraser Mills d'aller recruter dans ces deux provinces une nouvelle main-d'œuvre francophone. Donc, en 1909 et 1910, on voit arriver à la Fraser Mills plus de 400 membres des familles des hommes recrutés, créant ainsi le village de Meyerville, qui devient le plus grand village francophone à l'ouest de Saint-Boniface, au Manitoba. En parallèle avec l'arrivée des francophones dans le territoire, les missionnaires arrivent aussi dans la deuxième moitié du 19e siècle. Ils y installent des écoles qui, pour la plupart, vont devenir des pensionnats créés par le gouvernement fédéral dans une tentative officielle d'éradication culturelle et linguistique. Cela entre 1831 et 1996. 18 de ces pensionnats sont ouverts en Colombie-Britannique. Les jeunes qui sont forcés à y être passent la majorité de leur journée à travailler dans les champs et les blanchisseries de leurs pensionnats et subissent aussi les agressions psychologiques, physiques et même sexuelles. Le régime alimentaire ainsi que les maladies qui sévissent dans les dortoirs entassés accumulent plus de 6 000 décès d'enfants à travers le pays. En 2021, la découverte de plusieurs centaines de tombes de ces enfants au pensionnat de Kamloops, soit le plus grand au pays, a lancé un élan de désir d'une vérité pour découvrir vraiment l'ampleur des sévices subis par ces 150 000 enfants qui étaient élèves dans ces pensionnats sur 12 générations. L'un des émigrés politiques français qui sont arrivés de San Francisco à Victoria,
au moment de la première ruée vers l'or en 1858, le comte Paul de Garot arrive, mais décide de ne pas se salir les mains. Donc, il va faire publier un journal, le Courrier de la Nouvelle-Calédonie, qui sera le deuxième journal à être imprimé dans la province. Mais voilà, le public apprécie peu son produit, donc il ferme après seulement 6 numéros. Cependant, les francophones veulent toujours se rassembler, cherchent des occasions pour le faire. Dès 1886, on voit l'établissement à Vancouver d'un club littéraire et social qui regroupe tous les francophones. Mais ce n'est pas avant 1945 que la Fédération des Canadiens français de la Colombie-Britannique est établie, devancée de très peu par le Club des Canadiens français à Victoria. On voit en même temps s'établir dans toutes les grandes villes de la province des groupes locaux qui s'affairent à produire des événements pour leur public. Dès 1946, on voit s'établir le Théâtre Molière à Vancouver et en 1974, le Théâtre de la 16e dans la même ville. On voit aussi l'établissement de deux troupes de danse folklorique canadienne-française, les Cornouillers à Victoria, les Danseurs du Pacifique à Vancouver. Les décennies 1960 et 70 ont été des décennies clés pour le développement de la francophonie dans la province. On voit l'installation de la Fédération jeunesse colombienne dans 5 des villes de la province et en 76, finalement, l'établissement par Radio-Canada de la chaîne télévisée à Vancouver et qui diffuse partout dans la province. On voit cette même année-là l'installation par la province du programme cadre de français. Ce n'est pas, cependant, avant 1993 que le Conseil scolaire francophone est établi par et pour des parlants français. Nous nous sommes identifiés différemment au fil des décennies. D'abord, nous étions des Canadiens français. À compter des années 1960, nous sommes devenus des Franco-Colombiens. 20 ans plus tard, nous voilà comme francophones de la Colombie-Britannique. C'est intéressant que depuis environ 30 ans, nous voyons une nouvelle vague d'immigrants francophones en provenance des Caraïbes, de l'Afrique et de l'Europe. Et ce sont ces nouveaux groupes d'immigrants qui sont en train de remplacer progressivement les communautés francophones historiques de la province. Ce sont donc ces immigrants qui vont devenir les nouvelles francophonies de la Colombie-Britannique.